Ils savent que les échanges ont été filmés, ils commencent à flipper, donc ils rétropédalent et ils lui offrent même une récompense, un poste d'ambassadrice de YouTube à travers le monde. Peut-être une manière d'acheter son silence. Mais elle va être embauchée, je crois, par Non, non, elle a refusé. Elle a refusé, ouais. D'accord. Parce que derrière, YouTube lui a mis quand même une légère pression en disant « Attends, tu vas pas poser ce genre de questions, déconne pas. » Laetitia va refuser le poste et on peut donc maintenant saluer son courage. Et certains la comparent à Élise Lucet. Juncker, le président de la Commission européenne, la mission de lutter contre l'évasion fiscale. Il y a un précédent historique, c'est Mike Frost et Nixon. Il y a vraiment des choses à démêler qui restent encore pas très claires. Ce qui est sûr, c'est que l'employé de Google, lui, est allé trop loin. En caméra cachée, là, ça crève les yeux. C'est déjà une question hyper difficile à répondre, monsieur Juncker. Tu parles des lobbies des sociétés. À un moment, tu veux pas non plus te mettre et la Commission européenne, et YouTube, et tous les gens qui croient en toi à dos. Enfin, sauf si tu ne peux pas faire long feu sur YouTube, mais... Mais la question que je me posais, c'est confier à quelqu'un qui a été ministre des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce ne serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque ? On a une heure de retard, on rejoint Osons Causer, qui nous ont fait à manger. C'est ouf, hein. Il avait une heure de retard pour qu'il fasse la bouffée, quoi. Oh, la meuf qui se la raconte, quoi. Et du coup, cet après-midi, donc, on passe la journée avec Osons Causer. J'ai regardé une vidéo de Ludo sur Osons Causer. J'ai compris ce que c'est que d'être un youtubeur en le regardant lui. On va préparer l'interview de Juncker, ensemble. Ils vont nous former politiquement. Au début de l'été, le 14 juillet, on a eu un attentat très meurtrier à Nice sur la promenade des Anglais. Je ne vais pas passer 10 minutes à expliquer à quel point... Réellement, on est en train de faire une démonstration. La démonstration, c'est qu'il y a un monde qui s'organise complètement en dehors des médias officiels.